Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Mali Kounafoni TV. À Yoroso, l'opération spéciale d'enrôlement des nouveaux majeurs prend fin ce samedi 3 juillet 2021 à Yoroso. Après son prolongement d'un mois, l'information a été donnée par le préfet du cercle. Il a aussitôt invité les retardataires à venir se faire enrôler avant la fin de l'opération. Ainsi, nous rappelons que cette opération concerne tous les jeunes qui auront 18 ans à la date du 31 décembre 2021. À Kadiolo, plus de 761 millions de francs CFA, c'est le montant du budget additionnel du Conseil des cercles de Kadiolo. L'information a été donnée par les responsables du Conseil des cercles qui précisent que ce montant sera investi en grande partie dans la formation sur la nouvelle nomenclature budgétaire des collectivités territoriales. Elle concernera tous les conseillers du Conseil des cercles, les maire du cercle de Kadiolo, les secrétaires généraux, les régisseurs des recettes ainsi que les récepteurs et les contrôleurs financiers de la localité. Des études de réalisation d'ouvrages hydro-agricoles, d'infrastructures routières seront effectuées sur ces mêmes budgets, dit que les responsables du conseil des cercles de Kadiolo. À Kita, une équipe de l'ONG Maristop International était à la maternité de Kita Gare mardi dernier pour des prestations en planification familiale. L'objectif, selon les responsables de l'ONG, est de contribuer à l'amélioration de la santé de la femme, de l'enfant et de la famille à Kita. Plusieurs méthodes sont proposées, notamment celles de longue durée. À Koro, les activités des journées culturelles et artistiques et sportives du lycée Abiré Goro de Koro ont démarré mercredi 30 juin 2021, organisées par le comité AIM en collaboration avec l'administration scolaire. Ces journées sont placées sous le thème « La promotion de l'excellence en milieu scolaire dans un Mali en paix et réconcilié ». Selon les organisateurs, des conférences, débats, des prestations artistiques, des matchs de basketball filles et garçons et des démonstrations d'arts martiaux sont au programme. À Kai, un forum sur le renforcement de la confiance entre les communautés et la justice a été organisé dans la commune de Koussané, région de Kai. L'objectif, selon les organisateurs, est de créer des espaces sûrs et ouverts à toutes les communautés pour discuter des missions, rôles et responsables des services de la justice et des auxiliaires. L'activité est initiée par les communautés de Kai, Falémé et Koussané. Elle est mise en œuvre par Merci Corps en collaboration avec Think Peace sur financement de l'ISAID. À présent, les actualités hors de nos frontières. Le président nigérien consacre sa première sortie officielle dans la région de Difa en proie de l'insécurité. Après avoir rendu visite aux soldats, il doit se rendre c'est vendredi 10 juillet dans les villages de Baroua où les populations ont abandonné depuis 6 ans leur village à cause des attaques répétées de Boko Haram. Au Bénin, la justice béninoise a condamné mardi 29 juin un homme à 11 mois de prison, dont 6 mois ferme pour
coups et blessures volontaires sur 3 femmes transgenres. Cette infraction a été retenue faute de dispositions dans le code pénal qui punit la transphobie. Dans la nuit du 30 avril, une fête d'anniversaire à Cotonou, un groupe de personnes s'en prend à 3 invités. Ces femmes transgenres sont agressées, frappées et dénudées. Un seul des agresseurs s'est présenté à l'audience. Ses complices sont toujours en fuite. Enfin, pour terminer, à Madagascar, un an après sa prestation dans l'hémicycle, le projet réformant la loi sur les pôles anticorruption, PAC, a définitivement été adopté par l'Assemblée nationale dans la soirée du mercredi 30 juin. En seconde lecture, les parlementaires ont approuvé les textes après l'ajout de 2 amendements par le Sénat. Une réforme critiquée à maintes reprises par la société civile pour qui les textes affaibliraient la juridiction. Ici, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester bien fidèle à Malikounafouli. Merci.